La ministre de la Santé a demandé une étude pour la fin de l'année sur la possibilité justement de légalisation du cannabis thérapeutique, sur les tenants, les aboutissants, quelles sont effectivement les conséquences, les dangers éventuels qu'il pourrait y avoir. Et maintenant, on essaye de voir avec le cabinet du Premier ministre, voir s'il y a la possibilité de débloquer ça, au moins à titre expérimental, sur un territoire où ça pourrait créer une vraie activité économique. J'ai proposé au président Macron, je ne vais pas demander de sous, uniquement des autorisations pour que l'on puisse planter un certain type de plants aujourd'hui qui sont à usage thérapeutique mais également bien-être, qui est l'équivalent en gros des huiles essentielles qu'on peut utiliser, et donc que l'on puisse produire chez nous en Creuse à la fois du cannabis thérapeutique qui répond à des normes très précises sous contrôle de l'ANSM, mais aussi à des prescriptions très claires, encadrées, il n'y a pas de souci par rapport à ça, ça doit se faire dans les règles, mais également du cannabis bien-être. Donc j'ai fait cette proposition-là.